que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 4 août, il est 11h26. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement parce que j'ai un rendez-vous là dans pas longtemps niveau téléphonique avec Pôle emploi. Tout ce que j'aime, j'aurais préféré voir la personne que parler au téléphone. Il faut savoir que je déteste parler au téléphone. C'est un truc qui me fait peur, en fait je sais pas quoi dire au téléphone. Donc là je vais pas vous mentir que là je vais faire le rendez-vous, mais genre je vais répondre qu'aux questions, hein. Je vais pas raconter ma life à la personne, hein. Ah moi je ne sais pas parler au téléphone, hein. Même dans la vraie vie, hein, en même temps c'est pas trop compliqué. Bref, voilà, je vous raconterai si c'est bien passé, mais pour l'instant j'ai un peu peur, mais bon. Donc voilà, sinon je vous prends en vlog parce que aujourd'hui normalement je vais essayer de faire plein de trousses, normalement, et j'ai reçu une commande Amazon exprès pour ça. Donc voilà, alors j'ai reçu ça dans un carton. En plus de ça, par contre j'ai pas encore ouvert, donc je vais ouvrir avec vous. Donc c'est des fermetures à glissière de 30 cm. Voilà. Donc, c'est un lot que j'ai trouvé. C'est un lot de 60 fermetures éclair avec 20 couleurs différentes. J'ai payé ça 16,28€, un truc comme ça, je suis plus sûre à 100%. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Normalement, je vous l'ai dit dans ma vidéo haul de mercredi dernier, normalement. Donc, voilà. Alors. Bon, c'est très bien emballé, hein, déjà. Hop. Donc, voici le lot. Donc, les couleurs sont plutôt jolies. Bon, me revoilà. Il est 11h52. J'ai bientôt mangé, mais je voulais quand même vous montrer le reste. Parce que j'ai eu mon rendez-vous Pôle emploi, donc... Voilà, donc je disais qu'il y avait des jolies couleurs, donc je vais ouvrir. Alors, mais je m'attendais pas à ces couleurs là par contre. C'est pour dire, je les voyais pas aussi pastel, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai des ciseaux. Alors, ce début de vlog est un peu chaotique, hein, je suis désolée, mais quand j'étais en train de vous parler, elle m'a appelé un peu plus tôt la conseillère. Donc voilà. Alors. Voici tous les fermetures, donc c'est cool. J'avais peur de recevoir le colis cet après-midi parce que je voudrais faire quelques trousses cet après-midi. Donc là on a du marron qui est quand même assez foncé. Bon, en fait on a un peu de toutes les couleurs quand même un peu. On a du pastel, on a du foncé, en soi ça va. Alors je sais qu'il y a 3 fermetures zip par couleur. Donc ça veut dire que là vous avez le rose pastel, rose pâle, en 3 fois. Normalement, donc voilà, on a du violet clair. Ouais, il y a vraiment pas mal de couleurs, hein, quand même. Hein. Je suis plutôt contente. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du rouge bordeaux. J'aime cette couleur. Voilà, même le rouge. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Bon, bah, il y a du noir, bien évidemment. Hein, bien sûr, on a du vert comme ça, on a du beige, un peu caramel, je trouve. On a deux jaunes, on a un jaune bien jaune, jaune soleil, on va dire comme ça, jaune poussin, jaune tournesol, on a du bleu clair. Bon, je disais avant que ma mère elle revienne, je vais jamais y arriver avec ce vlog, il y a aussi des bleus foncés, et je crois que j'ai fait un peu le tour, je suis pas sûre, attendez que je regarde, je crois que j'ai tout fait, non il y a pas, non le vert là je crois que je voulais pas montrer, ah il y a, non c'est le même bleu. Ok, il y a du rose. Je crois que là, je vous l'ai montré, je sais déjà plus. Parce qu'entre temps, j'ai été parler avec mon frère. Je sais plus. Bah, je crois que c'est bon. Hein. Je crois que je vous ai tout montré au niveau des couleurs. Bah, pour l'instant, je suis plutôt contente de la qualité. Sincèrement, ça a été très très rapide. C'était Chronopost qui m'a livré. Donc, je vous mettrai le lien de ce lot de fermeture éclair de 30 cm si ça vous intéresse. Donc là bah, je vais pas vous mentir que je suis super contente. Par contre je suis là en mode comment je vais les ranger parce que là le sachet qu'ils m'ont donné il est pas ouf quoi. Ou soit je le garde et je mets ça là dedans. Je sais pas. Il faudrait que je trouve un système pour les ranger, genre une boîte vous savez avec des compartiments, mais vu que ça fait 30 cm ça va être chaud patate. Je sais pas du tout. Dites-moi comment vous rangez vos fermetures à glissière. Dites-moi ça. Ça peut être, toujours être sympa de savoir comment vous rangez
comment vous rangez vos fermetures à glissière parce que, ou éclair comme vous voulez, à glissière, parce que ça peut toujours être intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que moi il faut savoir que j'ai d'autres fermetures éclair, mais je les range dans un sachet, dans des sachets quoi. C'est pas ouf, mais j'aimerais bien trouver un rangement un peu plus sympa quand même. Mais je sais pas, c'est une bonne question, je ne sais pas comment je pourrais faire. Mais bon, le principal c'est que j'ai reçu ma commande. Voilà, je suis très contente, je vais pouvoir faire plein de trousses. Alors pour les personnes qui vont peut-être se poser la question, j'ai envie de faire plein de trousses. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, c'est peut-être pour la, à cause de la rentrée ou parce que j'ai une envie de trousses. Mais voilà, si je fais beaucoup trop de trousses, bien évidemment je les mettrai sûrement en vente sur Vinted. Voilà, ça pourra peut-être faire des heureux pour les parents qui cherchent des nouvelles trousses, mais peut-être pas trop chères ou du fait main. Il y a peut-être des parents qui aiment bien ça, qui préfèrent investir dans des trousses fait main que dans des trousses industrielles, peut-être, j'en sais rien. Je verrai bien, je verrai bien. Après, voilà, je sais pas trop encore, mais j'ai envie de faire, des trousses. Ne me demandez pas pourquoi j'ai une envie de faire des trousses. J'avais hâte de recevoir ma commande de fermeture zip de 30 cm. Je pense qu'ils vont partir à une vitesse. Surtout, il n'y a que 3 fermetures éclair par couleur, donc je vous rassure, ça va aller vite, hein, je pense. Mais bon, ça va, c'est pas trop trop cher en soi pour le lot, mais je pourrais toujours recommander, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais bientôt aller manger. Après manger, je vais essayer de filmer au moins une vidéo. Mais j'aimerais bien filmer la vidéo de dimanche que vous aurez déjà vue. Ça sera la vidéo sur tout mon matériel de couture partie 2. Parce que vous avez déjà fait une partie, mais c'était vachement long. Mais là, il faut que je fasse une vidéo pour ma chaîne de collection. Si vous me suivez ou si vous ne le savez pas, je suis une personne qui écoute depuis bientôt 4 ans de la K-pop. Et en fait, j'ai une collection d'albums de K-pop. Donc voilà, tout simplement, pour les personnes qui ne connaissent pas la K-pop, c'est de la musique coréenne du sud, pas du nord, hein. Du sud. Déjà pour ça, et ensuite on fera tout ce qui est découpage de tissu. Alors, peut-être que je vais pas coudre aujourd'hui, mais peut-être demain, ou pendant les jours de canicule, parce que à partir de jeudi ou vendredi, il fait chaud jusqu'à je ne sais pas quand. À ce qui paraît, une semaine. Donc on va devoir s'occuper un petit peu, hein, quand on va rester à l'intérieur. Donc en soi, ça sera déjà pas mal. Bref, je vais arrêter de parler. Je vais ranger déjà mes fermetures éclair, etc. Ranger tout le bordel. Voilà, voilà. Et je vous retrouve un peu plus tard, hein, quand j'aurai fini de filmer les 2 vidéos ou une vidéo. Donc me revoilà un peu plus tard. Il est 19h30. Donc cet après-midi je n'ai pas fait de trucs de couture, malheureusement. Malheureusement, voilà, j'ai été ça a chamboulé tous mes plans entre guillemets. Donc j'espère pouvoir au moins découper du tissu ce soir ou demain et faire un peu de couture demain. Mais vu que j'ai pu filmer qu'une vidéo sur 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai réussi à faire que la vidéo K-pop pour mon autre chaîne qui est petite collectionneuse. Donc la vidéo couture, je vais la filmer demain matin ou demain début d'après-midi. Voilà, pour éviter de sortir les éclairages quand il y aura la canicule, à part pour le vlog, parce que quand je vais vlogger, j'aurai pas besoin de sortir les éclairages, ce qui est très pratique, sincèrement. Donc voilà, j'essaye de m'y prendre à l'avance, comme vous pouvez le voir. Après, quand j'ai fini de filmer ma vidéo, je suis partie me promener avec mes parents pendant 1 heure. Ensuite, quand je suis rentrée, j'ai terminé de filmer quelques petites séquences de vidéos pour la vidéo toujours K-pop, donc les close-up, tout simplement. Ensuite, j'ai goûté. Et après, de 4h jusqu'à 18h, j'ai joué à la Switch avec mon frère. Voilà. Et après, de 18h à 19h, j'ai glandé sur le téléphone. Voilà. Et j'ai essayé de filmer cette partie de vidéo avant de manger, je n'ai pas réussi. C'était pas potable. Voilà. Et pourtant, c'est qu'un vlog, hein, mais ça m'énerve, je vous jure. Des fois, j'arrive pas à parler correctement. Je bug H24 et sincèrement, moi, ça me saoule. Donc voilà pour ça. Et aussi, bonne nouvelle, j'ai oublié de vous le dire ce matin. Mais en fait, j'ai enfin fait le devoir à envoyer au professeur du tome 2. Alléluia.
Alléluia. Donc je l'ai fait hier matin et j'ai envoyé mon devoir hier après-midi parce que en fait ce devoir là je devais l'envoyer par la poste en lettre recommandée. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à attendre qu'ils reçoivent mon devoir et puis qu'ils me le corrigent. Déjà pour la note il faut attendre une semaine. Tant qu'ils reçoivent le truc, je ne sais pas combien ça va me prendre. Je sais pas du tout, ça va prendre combien de temps pour qu'ils le reçoivent. Je sais pas du tout. Mais bon, croisons les doigts, hein, que ça sera pas trop long. Mais entre temps, je sais pas si ça sera demain ou dans la semaine, hein, sûrement. J'imprimerai le tome 3 qui est sur l'histoire de la mode. Voilà, voilà pour ça. Donc pour le devoir, je pense sur le tome 2 que j'ai envoyé hier, je table sur un 12 en minimum et pour le maximum 15. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai fait de mon mieux, j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Je croise les doigts. Je croise les doigts parce que c'est vrai qu'il y a eu des questions, c'était facile et tout. Après, il y a eu des questions où je suis pas sûre à 100% de ce que j'ai écrit, bien évidemment, mais j'ai quand même essayé de mettre quelque chose. Après, peut-être que c'est peut-être pas totalement juste. Après, bon, on verra bien, hein. Peut-être que j'aurai un 16. Bon, on ne sait pas, j'ai envie de vous dire, pour mon premier devoir que j'aurais envoyé via mon espace élève, j'avais dit 15 et j'ai eu 17. Donc peut-être que j'aurai 15, mais après bon, faut pas non plus en envoyer des fleurs, on ne sait pas. Peut-être que j'aurai en dessous de 12, hein. On ne sait pas, mais je pense pas. J'espère que j'aurai un 13 ou un 14 au moins. La meuf qui essaye de... Je pense que oui, j'aurai une bonne note, hein. Voilà, je pense pas que j'aurai en dessous de 10. Si j'ai en dessous de 10, c'est que vraiment j'ai rien compris au cours, hein. On est d'accord. Bon, je vais arrêter de parler parce que ça fait 7 minutes que je parle. Je suis vraiment désolée, ce vlog est déjà trop long. Coucou, donc il est midi 47. Donc comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai fait plein de petites choses. Donc j'ai imprimé le prochain tome, donc le prochain cours qui est le tome 3, qui est sur tout ce qui est histoire de la mode, etc. Je n'ai plus de batterie, ça tombe mal. Donc voilà, ensuite j'ai imprimé d'autres trucs par rapport à ma formation. Donc voilà. Ensuite, j'ai filmé la vidéo de dimanche, j'ai filmé les close-up pour la vidéo de dimanche, il n'y a plus qu'à la monter, je pense que je commencerai le montage sûrement ce soir. Sinon aujourd'hui, comment vous dire que je suis pas sûre de faire de la couture, sincèrement j'avais pris ce vlog pour ça et je ne fais pas de couture, ça me saoule. J'espère en rentrant des courses que je pourrai faire un peu de couture, sinon ça sera encore pour demain, hein. Demain c'est la première journée de canicule, peut-être que je serai plus motivée et normalement on devrait pas sortir, donc j'aurai peut-être plus de temps, mais je vais crever de chou, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude, hein, maintenant. Mais vous inquiétez pas, j'ai mon ami le ventilateur dans la chambre directement, donc il me sauvera la vie, je vous le rassure, hein. Alors pourquoi je viens faire les courses avec mes parents? Alors vous allez me dire, t'es pas obligée d'y aller, je sais, hein.
Mais j'ai pas le choix parce que, entre guillemets, mon frère et moi, on va devoir aller avec eux pour faire des achats scolaires, entre guillemets. Voilà, à nos âges. Mon frère 24, moi 21 ans, bonjour. Non, en fait, pour vous expliquer, mon frère a décidé de s'inscrire à une formation à distance où je suis inscrite. Voilà, et hier il a eu un coup de fil d'une des conseillères où je fais ma formation à distance, parce qu'il avait fait la demande de documentation gratuitement, etc. Donc il a eu un appel, il n'a pas eu encore les papiers, mais je pense que ça a été plus vite par l'appel. Lui, il n'a pas peur de parler au téléphone, donc lui ça a été rapide hein, par rapport à moi. Donc voilà et tout, et la madame lui a expliqué comment ça allait se passer pour sa formation, etc. Il lui a expliqué, mon frère lui a expliqué à la madame, qui était très gentille, parce que j'étais un peu avec lui à un moment, parce que je l'entendais parler tout seul, ça m'intriguait, et tout. Et voilà, elle lui a expliqué comment ça allait se passer, etc. Pour les cours et tout. Et en fait, mon frère lui a expliqué qu'actuellement, il est au chômage comme moi, hein, Bibi, hein, et tout. Et que, il cherchait une formation et tout. La madame, elle lui a dit que c'était une bonne idée, que ça serait super bien pour avoir un peu plus d'expérience, ou je sais plus ce qu'il m'a dit, mais je m'en souviens déjà plus. Bref, voilà quoi et tout. Et il a en fait, la conseillère lui a demandé s'il voulait s'inscrire, ou s'il voulait attendre encore un petit peu pour réfléchir et tout. Et il a dit oui, je veux bien m'inscrire. Donc voilà, normalement dans 2-3 jours il va avoir le contrat d'inscription, donc il n'y aura plus qu'à le remplir pour lui, etc. Et ensuite on l'enverra par scan, ça ira 2 fois plus vite. Moi je l'avais envoyé par la poste, c'est pour ça que ça avait pris plus de temps, donc pour lui ça ira peut-être plus vite. Donc on va devoir acheter des classeurs, des pochettes, des feuilles, de l'encre, voilà, plein de choses comme ça quoi. Genre des trucs un peu d'écolier, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc voilà, je suis plus toute seule à faire une formation à distance à la maison. Il y a aussi mon frère, mais bon, je suis contente, il a trouvé quelque chose qui a l'air de lui plaire, donc c'est le principal. Et pour le prix, il a quand même pas mal de choses, donc c'est quand même pas mal. Donc je vais vous laisser, je vous retrouverai un petit peu plus tard, j'espère, pour de la couture. Croisons les doigts. Allez, à plus. Coucou, donc aujourd'hui on est vendredi 7 août, il est 16h49, donc je vous reprends que maintenant, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, hier j'ai commencé à coudre mes 2 trousses, donc voilà, et j'ai pratiquement terminé aujourd'hui.
Il manque plus qu'à surfiler quelques petits trucs. Je vais faire ça ce soir, puisque j'ai envie de faire une pause. J'ai commencé aujourd'hui vers midi et demi, 1h. Et j'ai terminé, il était 14h30. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème avec la surjeteuse. Et c'est à ce moment-là que je vous ai quitté et que j'ai oublié de refilmer. Désolée. Et ouais, j'ai en fait pour la trousse, je vais vous la montrer, celle-ci. Donc c'est avec un tissu coton enduit, bah, j'ai voulu surfiler et en fait au moment où il fallait surfiler sur cette partie là, il y a ça, bah, ça a fait que bah, les fils qu'il y avait sur les aiguilles de la surjeteuse se sont enlevés, donc j'ai dû m'amuser à tout remettre. Bon, il y avait que deux fils à remettre, hein, mais c'est un peu chaotique, hein, voilà, et c'est, à ce moment là ça m'a un peu saoulée, donc j'ai arrêté de filmer. Bah, comme vous avez pu le voir, j'ai fait celle-ci, donc voilà le résultat. Et en fait je dois surfiler ce qu'il y a à l'intérieur pour faire ça, en fait, tout simplement. Donc voilà, il faudrait que je retourne la trousse, mais bon, je voulais vous montrer le résultat. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un beau défaut, donc celui-là, bah, je vais le garder pour moi, voilà, parce que je veux essayer de faire des trousses comme ça, essayer peut-être de les vendre sur Vinted. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je sais plus ce que j'ai dit au début, alors. Je m'en souviens plus. Alors, bah, celui-ci, j'ai fait, ça fait moche, hein, quand on voit, ça se voit de loin, donc c'est pas très beau. Donc je vais le garder pour moi, je vais ranger des choses pour la couture à l'intérieur, c'est pas très très grave. Donc en soi, elle est pas perdue, hein, cette trousse. Et la deuxième, c'est avec ce tissu-là. Je pense que vous savez que j'adore les chats et je sais pas, j'avais une envie de faire une trousse avec ce tissu-là. Et par contre celui-ci il n'a pas eu de problème, par contre il faut que je surfile le même truc, hein, voilà, tout simplement. Et tout, alors pour l'intérieur, mais de toute façon normalement vous avez vu un peu quand j'ai coupé le tissu, mais j'ai pas tout montré, ça je me souviens. Donc pour le jaune, celui-ci, bah, j'ai mis du jaune dans l'intérieur, un peu logique. Par contre à force il faudrait que j'aille... que je retourne à celle-feu tissu, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop envie de les retourner, puis j'ai pas trop envie de dépenser des sous aussi. J'ai pas trop envie en ce moment de dépenser, voilà. Et mais le truc, c'est faut que je rachète des tissus du tissu doublure, parce que bah j'ai plus beaucoup de blanc, j'en ai même plus des masses pour vous dire. Le jaune ça va encore, le beige ça va. La couleur que j'ai pris pour l'autre, j'achète aussi d'autres tissus doublure, mais de d'autres couleurs que je n'ai pas, comme le noir, les couleurs comme ça, vous voyez un peu. Et ouais, c'est un peu chiant. Même le rouge, il faut que j'en reprenne. Voilà. Bon, si je prends qu'un mètre, ça va pas, normalement ça devrait pas me coûter trop cher, mais bon, vu que je dois acheter plusieurs couleurs, ça va m'en venir cher. Donc je sais pas si j'achète plutôt sur Drizzen Stoffen, j'hésite, mais je verrai bien. Pour l'instant ça presse pas. Et pour celui avec les chats, bah, c'est beige à l'intérieur comme j'ai dit. Donc voilà pour ces deux là qui sont pratiquement finis. Et je vais vous montrer en fait les deux autres que je vous avais parlé dans ma vidéo haul de mercredi dernier. Et tout, je vous avais dit que j'avais fait des trousses, donc je vais vous les présenter. Donc voici la première. Donc voilà, c'est avec les fermetures éclair que j'avais parlé, que j'avais acheté à Centre Accord et que je vous avais dit que j'avais fait, je les avais déjà utilisés. Bah, c'est en fait pour cette trousse là, avec les tissus de chat Action que vous avez vu aussi dans le haul de mercredi dernier et tout. Et à l'intérieur c'est comme ceci. Alors le truc pour cette trousse, c'est qu'elle est très légère, elle n'est pas très épaisse, elle est un peu moins rigide que les autres. Parce qu'en fait j'ai utilisé deux tissus qu'il y avait dans un lot de chez Action au niveau des tissus. Et les tissus sont un peu plus fins. Donc je ne sais pas si je le propose sur Vinted, celle-ci. Je ne sais pas du tout. Donc celle-là, elle va rester dans ma chambre en déco. Et ça fait plusieurs jours que je réfléchis, mais je ne sais pas. Malheureusement. Donc voilà pour celle-ci. Et la deuxième que j'utilise actuellement, parce que je voulais me la faire, parce que j'avais craqué sur ce tissu-là, c'est celle-ci. Alors elle penche un peu comme ça, parce qu'il y a des trucs à l'intérieur en fait. Il y a les trucs pour mes cours, voilà. Tout ce qui est surligneur, stylo, etc. pour faire les fiches et tout. Donc voilà l'intérieur, c'est jaune en fait. C'est le même tissu que j'ai utilisé pour la trousse jaune moutarde, on va dire comme ça. Donc voilà pour les trousses que j'ai déjà fait. C'est les quatre là.
Donc voilà, sinon ce matin j'ai monté la vidéo que j'avais filmée mardi, normalement, mardi, et j'ai fait le montage, j'avais commencé hier soir et je l'ai terminé ce matin, elle est en train de charger sur mon autre chaîne, donc petite collectionneuse, toujours, donc voilà. La vidéo de dimanche, elle est faite aussi, le montage est fait, elle est planifiée sur ma chaîne YouTube, donc je suis tranquille, il n'y aura plus qu'à faire le montage de ce vlog. Je vais vous laisser, je vous reprendrai un peu plus tard je pense. Je pense que j'ai commencé le montage de ce vlog. Comme ça je verrai je suis à combien de minutes, parce que je parle beaucoup. Hein. Donc voilà, bon, je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, donc aujourd'hui on est lundi 10, il est 17h24, je viens en face caméra pour fermer ce vlog mais aussi vous parler un petit peu avant de vous quitter. Donc comme vous avez pu le voir ce week-end j'ai pas foutu grand chose, voilà, en même temps j'étais pas de très bonne humeur, j'étais énervée à cause de Pôle emploi, qu'est-ce qui me saoule cela je vous jure. Waouh, surtout que la conseillère que j'ai eue mardi n'a pas compris ce que je lui ai raconté. Hein. Ça se voit que je sais vraiment pas expliquer un truc potable, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas grave, hein. Ce matin avec ma mère on a envoyé un email pour expliquer que voilà, je faisais bien une formation et non des cours de couture, mais c'est pas grave. C'est pas très grave parce que j'ai envie de vous dire... Bref. Hier matin j'ai été à la piscine pendant une heure avec ma mère, j'ai pas l'habitude de faire de la brasse, vous savez, des trucs comme ça ou comme ça, j'essaie de vous remontrer mais avec une caméra devant c'est pas très pratique hein, mais bon tant pis. Et en fait quand je suis sortie au bout de 30-40 minutes de piscine, bah j'avais plus de bras, j'avais plus de dos, donc je me suis dit bah le yoga on oublie. Bon, j'ai fait un peu de yoga pour m'étirer un peu les bras parce que j'avais vraiment mal et le dos. Et je suis restée couchée sur mon lit toute la journée. Et pourtant j'avais noté plein de choses à faire pour hier et j'ai pas fait. J'ai regardé un peu une série, j'ai glandé sur le téléphone, j'ai glandé sur le lit, voilà. Parce que sincèrement j'avais mal en fait. Et à un moment j'ai essayé de ranger ma chambre, je dégoulinais. Je me suis dit on va arrêter de bouger, sincèrement. On va rester sur le lit, devant le ventilateur. Pour mon petit programme du week-end. Voilà, c'était pas ouf comme vous pouvez le voir. Ce matin, j'ai été envoyer deux colis Vinted.
Et on a fait quelques petites courses à Cora, donc voilà. Et comment vous dire que quand j'ai été déposer les colis et qu'après on avait fini les courses, on était arrivé à la voiture. J'ai eu la tête qui tournait. Il faut savoir que j'ai souvent la tête qui tourne depuis qu'il fait chaud. Et je pense que c'est la chaleur parce que je bois. Parce que j'ai pas le choix de boire mais un litre et demi par jour. Donc de toute façon j'ai pas le choix. Donc voilà, et je pense que c'est vraiment la chaleur. Et là je commence à avoir chaud, donc désolé, je vais prendre ça. C'est pénible cette chaleur, hein, je vous jure. Là c'est peut-être la quoi, 3e ou 4e jour qui fait chaud comme ça. J'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est enfermé à la maison. Alors c'est, je veux pas dire je veux sortir. Je suis sortie ce matin, ça allait, il y avait un peu de vent, etc. Mais qu'est-ce que j'en ai ras-le-bol de cette chaleur, d'avoir mal à la tête, de transpirer H24 sans rien faire, c'est pénible, je vous jure, je pense que tout le monde est comme moi, je pense. Et ouais, non, j'en ai ras-le-bol. J'en peux plus, donc... Sinon aussi, dimanche, il n'y aura pas de vidéo, je suis désolée parce que, bah déjà, avec la canicule, même pas en rêve, je sors les éclairages, même pas en rêve. Même pas en rêve, je laisse ça ouvert, avec la chaleur, non. Donc il n'y aura pas de vidéo dimanche. J'espère que je pourrai faire au moins 2 vidéos pour la semaine prochaine. En espérant qu'il ne fasse pas trop chaud. Croisons les doigts. Et jeudi et vendredi, je ne suis pas à la maison avec ma mère. Parce que avec ma mère, on va voir une amie à elle qui habite loin. On va dire entre guillemets. Donc voilà, j'ai voulu venir pour changer un peu d'air aussi. Et comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à commencer à travailler mon nouveau tome, voilà, même si j'ai pas eu encore ma note, donc je pourrais pas vous dire combien j'ai eu parce que pour l'instant je n'ai pas de nouvelles. Voilà, j'ai pas de nouvelles donc je pourrais pas vous dire, mais j'ai voulu quand même commencer un petit peu mon nouveau cours sur l'histoire. Et sincèrement j'ai pas fait grand chose, mais j'ai appris quand même quelques petits trucs quand même, hein. Et je me dis que quand même à l'époque on n'était pas gâtés, hein, les femmes, hein. Niveau mode, le corset, magnifique, hein. Je suis contente d'être dans cette époque qu'on est maintenant, même si c'est pas terrible dans certains trucs, mais bon. Je crois que j'ai tout dit au niveau blabla, je pense, parce que là j'en peux plus, je commence à avoir chaud. Bon, je pense que je vais arrêter là au niveau du blabla. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée, je vous ai pas montré grand chose, mais je pensais que j'allais faire plus de trousses que ça en fait. Je pensais que j'allais faire plus de choses, mais avec cette chaleur c'est pas possible. Donc je suis désolée si ce vlog n'a pas été hyper intéressant, mais ça sera la seule vidéo de la semaine, donc vous ferez avec, j'ai envie de dire, parce que bah, dimanche il n'y aura pas de vidéo. Voilà, je suis désolée, mais là je peux pas. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à la prochaine.